L'expérience était vraiment extraordinaire dans le cadre de la DPJ. Donc, j'aimerais mentionner vraiment, c'est un cadre juridique dans le travail social auprès de l'équipe de l'application des mesures. Puis, je vous dirais que le contexte de la crise sanitaire, ça a vraiment mis en exergue, si on veut, le rôle et la place du travailleur social. Mais ça a vraiment mis en relief, en fait, l'aspect essentiel du rôle et de la place. Je m'explique. Les mesures sanitaires qui ont été mises par les autorités, bien sûr, par souci de sécurité, ça a en quelque sorte, si on veut, déshumanisé, si on veut, les rapports entre la clientèle qu'on dessert, c'est-à-dire une clientèle de 13-17 ans, les adolescents, les jeunes adolescents, leurs familles, les membres de leur famille, mais également les professionnels impliqués au dossier. Puis je mets l'accent quand je dis professionnels, je parle essentiellement les éducateurs qui travaillent en centre de réhabilitation, dont je travaille toujours comme éducateur, dans le processus de réhabilitation du jeune. Pour donner un exemple concret, mais je vais mettre une petite parenthèse ici, on sait que l'une des fonctions principales du travailleur social dans le contexte de la DPJ, vraiment, c'est de participer au développement du pouvoir d'agir du jeune, de l'adolescent, en fait, dans son environnement, donc dans son processus de réhabilitation. Ce qui est arrivé, c'est que les mesures, il y a eu des répercussions. Je donne des exemples de mesures, entre autres, les écoles qui ont fermé. On sait très bien que l'adolescent qui est en centre qui est en centre de réhabilitation, pour le travailleur social, l'école est un allié majeur, si on veut, dans le processus de réhabilitation. Donc, en même temps aussi, dans cette démarche d'empowerment, c'est-à-dire l'adolescent qui se dirige vers l'âge adulte, ben, l'école est également un moyen qu'on utilise dans la stratégie pour ça. Donc, il y avait ça qui avait été coupé. Également, toutes les sorties. Donc, ça fait bien sûr toujours par souci de sécurité, mais toutes les sorties ont été coupées. Donc, les jeunes en centre de réhabilitation, mais également les jeunes qui étaient dans leur domicile ou en foyer, mais qui devaient périodiquement se présenter en centre de réhabilitation. Donc, on parle ici d'une clientèle vulnérable, donc qui est dans un état, je vous dirais, plus vulnérable. Donc, il y avait un risque quand même, je vous dirais, élevé d'augmentation de stress par rapport à ça. Donc, une autre mesure aussi qui a amené beaucoup de répercussions, c'est que les familles d'accueil. Dans les familles d'accueil, il y avait l'une des mesures, c'est qu'aucune famille d'accueil était autorisée d'accompagner le jeune dans son rendez-vous médical. C'est seulement le travailleur social, en fait, qui avait l'autorisation. Donc, juste cet aspect-là démontre l'aspect essentiel, en fait, le rôle important du travailleur social. Donc, pourquoi c'est. En fait, il y a plus de mesures encore, mais c'est juste pour donner une idée. Dans la crise sanitaire, ce que ça a fait, le rôle qui est déjà essentiel dans le bon déroulement du processus de réhabilitation du jeune, en fait, ça a ajouté des tâches à la fonction du travailleur social. C'est-à-dire que le travailleur social, maintenant, devait, si on veut, temporiser, réduire les tensions, les risques de stress élevés, si on veut, devait humaniser. Ça, c'est très important, en communiquant avec le jeune, en communiquant avec les membres de sa famille, en communiquant avec les professionnels, entre autres exemples, dans les rencontres supervisées. Donc, devait trouver une manière de communiquer tout en respectant les mesures sanitaires, si on veut, et bien sûr, respecter les échéances. Donc, le rôle du travailleur social s'est vraiment mis en exergue. Et puis, moi, dans mon observation, ça l'a juste amplifié, si on veut. Donc, oui, définitivement, le rôle du travailleur social, sa place, elle est essentielle. Elle était déjà, mais ça l'a juste mis en exergue, tout simplement.